Bonsoir cybernautes et bienvenue sur la chaîne YouTube Cyber Church of Cannabis. Voilà. Ok. Je vais lire d'abord, j'espère que tu vas bien. Ça, c'est une première chose quand même. Puis si ça va pas, ça va pas. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. De toute façon. Voilà. Ça, c'est une première chose. Mais sinon, ouais, je vais lire trois textes. Je vais lire trois textes et à chaque fois, on va commenter ces textes. Afin de cerner quel est l'esprit de la parole qui anime ces textes. Donc, Romains, chapitre 13, versets 1 à 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne d'Anok Yahou, et les autorités qui existent ont été instituées de Anok Yahou. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre qu'Anok Yahou a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Que toute personne soit soumise aux autorités gouvernementales supérieures, car il n'y a point d'autorité gouvernementale qui ne vienne d'Anok Yahou, et les autorités politiques gouvernementales qui existent ont été instituées de Anok Yahou. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité politique gouvernementale résiste à l'ordre qu'Anok Yahou a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc il y a tout ce qui va avec. Mais ce texte, alléluia! Ce texte, peuple cannabique de la terre, il a une condition, et cette condition, c'est Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 27 à 29, normalement. Voilà, c'est ça. Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 27 à 29. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, l'autorité religieuse gouvernementale, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes: ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là le nom d'Anok Yahou, le créateur du cannabis? Et voici, vous avez rempli Yerushalayim, vous avez rempli la terre entière, alléluia, de votre enseignement cannabique, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme.
et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet arbre, la sève blindée de THC, de la bud, du cannabis. Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Nokiaou plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Donc, ce texte, il nous dit il faut obéir à Nokiaou plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir au Créateur plutôt qu'aux autorités gouvernementales instituées par Nokiaou. Je répète, il faut obéir à Nokiaou plutôt qu'aux autorités politiques gouvernementales instituées par Nokiaou. Ça veut dire que le Créateur, il les a établis, ces hommes politiques. Ces autorités gouvernementales, elles ont été établies. Ces autorités sanitaires, elles ont été établies par le Créateur. Mais il faut obéir au Créateur plutôt qu'à ses autorités gouvernementales, politiques, sanitaires, comme tu veux, d'accord? Alors pourquoi, dans quel cas est-ce qu'on leur obéit et dans quel cas est-ce qu'on ne leur obéit pas? C'est ça qu'il faut chercher à comprendre. C'est ça qu'il faut chercher à comprendre. On leur obéit quand elles respectent les principes de la vie. Et on leur désobéit, donc on obéit au Créateur à ce moment-là, parce que déjà avant, quand on obéit à ces autorités qui respectent la vie, on obéit au Créateur en réalité, au Créateur de la vie, au Créateur qui a institué les principes de vie, ok? Et tu leur désobéis quand ces autorités ne respectent plus les principes de vie établis par le Créateur. C'est aussi simple que ça. Et on va lire un dernier texte. C'est 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 2, versets 17 à 19. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées qui chassent un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Leur destin, il est scellé, en fait. Leur destin, il est scellé. Je n'avais pas prévu de lire ce verset, en fait. Mais ça montre que leur destin, c'est un destin de ténèbres. Avec des discours... Les politiciens, les autorités gouvernementales, les autorités sanitaires, avec des discours enflés de vanité, amorcent par les convoitises de la chair, la parole de la peur, le discours de la peur, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté au travers de la vaccination obligatoire quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. La corruption. La cupidité. Faire du business. Business is business. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ouais. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Oui. Et en fait, ces gens-là, ils vont imposer la vaccination obligatoire à l'ensemble des populations de la Terre. Ces autorités pédosataniques, champignoniques, vont imposer à la vaccination obligatoire la marque du champignon à l'ensemble des populations
de la terre. Et il vaudra mieux obéir à Anokiaou plutôt qu'aux hommes. Il vaudra mieux obéir à Anokiaou plutôt qu'aux hommes. Il y a des hommes, des femmes qui sont réveillés depuis un moment. Ça fait des années même qu'ils sont réveillés. Et des fois même, ils ne dorment pas la nuit. Ils ne dorment pas la nuit tellement ils sont réveillés. Ils ne dorment pas la nuit tellement ils sont réveillés. Et il y en a d'autres qui dorment profondément. Ils dorment profondément depuis des années. Depuis des dizaines d'années peut-être. Et là, ils vont se réveiller. Alors, je veux le dire quand même, mais... Je cherche pas à me justifier, mais il n'y a personne de parfait sur la Terre. J'ai peut-être compris des choses, mais je suis un homme. Je ne suis qu'un homme. Parmi les hommes. C'est tout. Les justes comprendront le livre. La connaissance augmentera et les justes comprendront le livre. La vaccination, c'est la marque du champignon. C'est la marque du diable. C'est la marque de l'homme militaire moustachu. L'homme militaire moustachu. Voilà. Allez, bonne soirée et bon courage les gens. À plus tard.